Bonjour et bienvenue dans cette démonstration du journal des événements et de la restauration des profils. Cette fonctionnalité est réservée aux administrateurs portails de Bokeh. En tant qu'administrateur portail, je peux aller dans le menu système, accéder à l'élément journal. Le journal présente une liste des événements, de modifications, des variables, des domaines, des articles et des profils. Il présente aussi la liste des suppressions de profils. Pour chaque événement et type d'événement, il existe un maximum d'événements enregistrés qui est actuellement à 100 événements par type. Pour chacun des événements, si l'action de modification a été produite par un utilisateur, on voit son nom s'afficher. Lorsqu'il est marqué inconnu, c'est qu'il s'agit d'une modification faite par une tâche automatisée. L'œil permet de voir des détails pour chacune des petites modifications. Nous allons nous intéresser particulièrement aujourd'hui au journal des événements des modifications de pages et de profils. J'ai préparé justement une page pour ça, une petite page agenda d'identifiant 151, et je vais modifier son libellé pour dire agenda des événements. Lorsque je valide, dans le journal apparaît un événement de modification du profil. Pour simplifier les choses, je vais filtrer les événements au type mise à jour des profils. Particulièrement pour les modifications de profil, le détail devient très intéressant parce qu'il nous permet d'afficher ce qui a changé dans le profil. Et là, on voit que c'est le libellé qui est passé de agenda à agenda des événements. Je peux décider d'annuler cette modification. Dans ce cas-là, Bokeh m'avertit en me montrant quelles modifications vont être appliquées lorsque je vais restaurer. Et là, ça va consister à transformer agenda des événements en agenda. Je viens de restaurer et on peut voir que Bokeh a créé bien sûr un autre événement de modification qui pourra lui-même être annulé. Bokeh permet aussi de créer un journal de suppression. Donc là, je vais recharger ma page. Et cette fois, je vais supprimer le profil 151. On demande confirmation et je supprime. Dans le journal, en choisissant suppression des profils, je vois un événement apparaître. Et on voit que l'administrateur a supprimé le profil agenda des événements. En termes de détails, bien sûr, on ne voit pas forcément une différence puisque c'est tout le profil qui a été supprimé. Je peux décider de restaurer agenda des événements. Et on me dit, le profil agenda des événements n'existe plus, est-ce que je veux le ressusciter? Je le ressuscite. Cela crée un autre événement de modification, et on voit que l'agenda des événements a été recréé avec l'identifiant 151. C'était pour cette démonstration, à bientôt dans une nouvelle démonstration.